Ce four-là, c'est le 18e que je construis pour mon usage personnel. C'est le 6e four à bois. Le dernier, je l'avais fait dans les années 80, après avoir fait le tour de France des fours à bois. C'était un four avec un seul poste de travail, qui permettait de brûler du bois en vertical en grande longueur, qui consommait au moins deux fois moins que tout ce que j'avais étudié. Ce four a été adopté sous le nom de four Girel par la plupart des céramistes désirant cuire au bois dans ces années-là. 30 ans après, la conscience du devenir de la planète m'a conduit à introduire un paramètre devenu crucial, savoir cuire en consommant très peu et surtout sans polluer. Le nouveau four, héritier de ce four Girel des années 80, qui était ergonomique et déjà économique, est devenu un four écologique. Réunissant ces trois qualités, les trois E, il a été baptisé tout naturellement le four Girel 3E. Vous faites ça un petit peu en cochon, vous laissez un peu de marge, Manu, et puis vous finissez au chemin de fer, ça se lisse très bien. J'ai été très intéressé en venant aujourd'hui pour vraiment comprendre, pour moi, les spécificités de ce four, qui vont être comment est conçu l'alandier, la combustion, la manière de mettre le bois quand il descend, tout ça. Comment sont composés les carnots de la cheminée, le système de venturie et la paroi. Voilà, comment est composée la paroi. On enfourne debout le dos droit, à hauteur. Donc la chambre de le laboratoire, c'est à hauteur. Le foyer est en bas, mais comme on met le bois par en dessus, on ne se couche pas par terre pour mettre des bouts de bois. L'air, maintenant, d'aspiration d'ici. Il a beaucoup moins de raisons d'aspirer par ici, ça va aspirer surtout par là. Là, hier, c'était magistral, la démonstration des venturies, c'est magistral, quoi. Tu ouvres de quelques millimètres, l'air s'engouffre et la fumée noire qui sort de la cheminée, hop, elle est transparente. Magnifique. Non mais moi, je suis stupéfait par la quantité de bois, enfin le peu de quantité de bois nécessaire. Il annonce 170-180 kilos. Si un stère de bois dur, ça fait entre 500 et 700 kilos. Enfin, ça fait un quart de stère, quoi. C'est rien. C'est quelques, il y a quelques allumettes. Pour arriver à cette performance au point de vue économie du bois, il fallait imaginer une structure du four avec des couches très réfractaires, et puis de moins en moins, des couches de plus en plus isolantes. Et puis aussi, je l'ai revêtu à l'intérieur avec un enduit réfléchissant qui, en fait, la chaleur à haute température, comme le rayonnement prend le pas sur la convection, le rayonnement pénètre beaucoup moins à travers les briques, il est renvoyé à l'intérieur du four. Il a dit, moi je suis sourd, c'est la dernière fois que je fais ce travail de transmission, vous serez les pionniers. Il a dit ça, tu te rends compte un peu. Et en fait, pour le coup, il nous a déjà mis en groupe. J'ai bien envie de m'engager à faire les plans un peu plus détaillés du four et les plans de fabrication, on va dire. Voilà, faire un dossier de plans comme moi je peux faire au boulot dans ma vie d'ingé, on va dire, pour faire appel à un chaudronnier, et voilà, lui remettre un dossier de plans et faire sous-traiter la carcasse, la porte, la cheminée, etc. J'ai envie de construire ce four dans pas trop longtemps. Il y a plein de questions techniques auxquelles il faut que je réponde avant, plein de faut que je laisse décanter en fait après ce stage. Mais oui, j'ai envie de le faire, j'ai envie de rester avec tous les en lien avec tous les gens qui sont là. C'est pas juste le projet de moi je vais faire mon four. Moi j'ai des contraintes, c'est vrai,
Mais je vais travailler sur mes contraintes, puis après, je vais appeler les copains, parce que monter les briques, là, on l'a fait en 48 heures, c'est un truc de taré, quoi. Mais le but, c'est aussi de le transmettre, et le transmettre sur des chantiers participatifs, ça va être beau, quoi. On le fera moins vite, mais on le fera bien aussi, et on le fera avec la richesse des humains, quoi. Il est beaucoup mieux fait que celui du CNIFOP. Hein. Bah écoute, on avait déjà beaucoup plus d'expérience du coup. Beaucoup mieux, oui. J'ai mis du temps à trouver ce que je voulais faire une première fois déjà. Et j'ai changé du tout au tout, j'ai atterri dans la protection de la nature. Et du coup, quand j'ai eu envie de changer de nouveau de métier, j'ai eu envie de faire de la poterie. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais c'était assez physique. Et je l'ai confirmé en faisant un stage de tournage que j'ai adoré. Et donc, quand ça a commencé à être quelque chose de concret pour moi dans ma tête, j'ai réfléchi au mode de cuisson. Et donc, avec toute cette conscience écologique qui venait de mon métier et de mon éthique personnelle. Et donc, au début, ça a été un peu un casse-tête parce que je me suis dit, je vais cuire au bois, je vais choisir le bois puisque c'est une énergie renouvelable. Donc je voulais pas de gaz, pas d'électricité. En même temps, c'était le moins simple. Et puis surtout, très vite, je suis allée voir des fours à bois. Je suis allée à la borne pendant les grands feux. Et j'ai vu beaucoup de fours qui consommaient beaucoup de bois et qui faisaient beaucoup de fumée, des fumées vertes en réduction, très mal isolées. Des fois, il y a les briques qui s'écartent, on voit la flamme à travers les briques de la cheminée. Enfin, et puis, bon, voilà, ça collait pas avec mon éthique écologique. Et à ce moment-là, j'ai commencé à questionner tous les gens que je croisais, les potiers expérimentés, jeunes potiers. Je commençais à demander parce que quand je parlais de mon projet, je parlais aussi de mon éthique. Et je me disais, c'est dans l'air du temps, c'est pas possible. Moi, je me sens pas de concevoir un four écologique, mais ça existe forcément, un four à bois un petit peu plus économe. Et de fil en aiguille, on m'a renvoyé sur Jean Girel. Et c'est comme ça. Et donc, j'ai appelé, je suis venue, et ça a commencé comme ça. Ça va? Oui, c'est le grand jour. Ouais. Cette petite aventure collective créée autour de ce four, dans l'idée de le rendre accessible dans sa construction, pour moi, c'est génial parce que j'ai envie de collectif, parce que quelque part, pour moi, c'est militant aussi. C'est pas uniquement pour moi, moins consommer de moi. J'ai envie de faire avancer la profession aussi, en tout cas pour ceux qui cuisent au bois. Donc, j'y vais volontiers, participer à la création de documents, fournir des photos de toutes les étapes, la réflexion, Ça me convient. Refaire un ou deux trous, là. Ouais. Pour être plus précis sur le... Parce que là c'est ouais. Déjà un appel déjà d'air énorme, là, ouais. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, il faut qu'il y ait la moitié. En fait, je crois que, à part le métal, peut-être la plus grande difficulté, moi, sur ce four, ça a été qu'il fallait réfléchir tout le temps. Clairement. Alors, peut-être faudra réfléchir un petit peu moins quand on aura produit les documents qui sont en train de se faire. Mais il faut le prendre en main, le four. Donc il faut réfléchir un peu quand on fait. Il faut réfléchir à vos dimensions. Il faut anticiper sur la suite parce qu'il y a telle chose qui va venir se mettre là. Donc on l'anticipe. Il faut s'approprier le projet, le four. Et puis il faut s'entourer un petit peu. Je crois que c'est important parce que ça roule à plusieurs. Quoi. Ma grande bouse. C'est une cuisson d'émail. Les pièces sont biscuitées, donc elles ne craignent pas le choc thermique. On va plus vite. On a décidé de faire du 200 degrés heure jusqu'à 1000. Et après, on passe en réduction. Et à ce moment-là, on mettra 3 heures pour monter à 1300. Ce qui fait qu'on se donne un cycle de cuisson de 8h30. 5 heures pour 1000 degrés en oxydation.
3 heures de réduction et puis une demi-heure de s'il faut équilibrer un palier ou pour des questions de fermeture ou de... C'est-à-dire que c'est une cuisson qui devrait durer 8h30 normalement. Ok. Encore un petit bout. Allez. Et c'est bon. Allez, allez, vendu. Dans la poubelle. On a 20 kilos là. Ouais. Là, il y a beaucoup de bois qui est tombé. Je m'attends à une fumée noire. Ben voilà, oui. Il y a trop de... Il y a eu trop de dégazage d'un seul coup, là. Il faudrait qu'on arrive à éviter ça, quoi. Ouais. Ici, ce petit rétrécissement de la cheminée, là, qui me fait un effet de Venturi, il me fait là une accélération de la vitesse des gaz, qui fait que quand je suis en réduction, si là j'ai encore du CO, ici j'en trouve à ce moment-là ce que vous avez vu qui correspondait à la barre métallique, et le Venturi naturellement se met à aspirer. Il me crée ici une combustion de tout le CO, une combustion de tous les âmes brûlées, qui fait que ça me donne une très forte vitesse d'éjection, et plus je vais être réducteur, eh bien plus le Venturi va fonctionner et va brûler les âmes brûlées ici. Alors que si ils ne sont pas brûlés ici, eh bien vous allez les voir en fumée noire à la cheminée. Oui, je vois. Là, on brûle quand même pas mal les fumées, là, tu vois. Tu sais, quand les flammes, elles sont aspirées, elles ont vraiment une direction, puis là, elles hésitent un peu, tu vois. C'est ça. Bon, là-haut, on est encore un peu sombre, mais... Je crois qu'avec le... Avec les résineux, on n'y échappera pas, hein. On a fumé ? Ouais. Là, j'ai mis un bout de hêtre. Ça n'a pas fait 1 mg de fumée. Il distille pas vite comme le Douglas, comme le résineux. Et ça peut être intéressant entre 500 et 1000 d'avoir plus de feuillus. Au-dessous de 500, on met pas beaucoup de bois, donc on va pas faire beaucoup de fumée. Et puis comme le foyer, il est pas très chaud. Le bois distille pas à grande vitesse, mais à partir du moment quand on est à 500 dans le four, le foyer il est déjà à 800 et le résineux il distille tout de suite et il va envoyer directement ses 50% de volatile tout de suite d'un seul coup, ce qui n'est pas le cas du feuillu. En revanche, au-dessus de 1000 degrés, avec la post-combustion, les fumées seront assez chaudes pour brûler avant la sortie à la cheminée, quoi. Comme ça, on sortirait quelque chose de propre à la cheminée. Déjà, les montres sont tombées exactement à égalité, tout en bas, tout en haut, tu vois. Ça veut dire qu'en température, on est égal, là. Ce qui est exceptionnel, je rajoute. Regardez ça, c'est génial. Voilà, ça, j'adore. J'adore aussi. J'adore le délire. Oh, là, c'est génial. Voilà. Je suis trop contente. Ouf, intéressant. Le bol, il était rond. Hein. Il n'y avait pas de bol. Ouais, mais c'est normal, ça. Magnifique. C'est marrant. Ça, c'est mes essais de cendres. Ça va être vachement intéressant à étudier, tout ça. Ouais, je vais regarder ça de près. Le but de la cuisson d'avant-hier, là, c'était de savoir si ce four marchait. Et en plus, il marche en réduction. La réduction a été efficace parce que on le voit dans les tests d'essai là sur les rouges de cuivre, ils sont tous rouges et absolument égaux qu'on soit en haut, en bas, devant, derrière. Il n'y a pas de différence de réduction dans tout le four et tout le four a réduit là. Donc ça c'est plutôt satisfaisant parce que c'est plus dur de conduire une cuisson en réduction qu'en oxydation. Puisque comme la réduction, ça veut dire une mauvaise combustion, ça veut dire quand même une cuisson difficile à monter, quoi. Là, de ce côté-là, je pense qu'on peut être content. Et on va prendre cette courbe, là, quand elle va être simplifiée et puis remise au propre, pour la mettre sur le site comme modèle de cuisson-réduction. Donc ça, pour une première cuisson-réduction, c'est plutôt,
plutôt sympathique. Je pense que ce qui sera à améliorer, c'est la quantité de bois utilisé. Parce que là, je vois qu'on a brûlé 270 kilos de bois, quoi. Il faudrait qu'on arrive à descendre quand même à se rapprocher de 200 kilos, quoi. S'il y a une réponse à ça, j'aurais besoin de savoir chaque outil, à quoi il peut servir. Chaque entrée d'air possible, c'est un outil. Et voilà, si on pouvait arriver à dire, ben, cet outil-là, il peut servir à ça, ça ou ça. Celui-là, il sert à tout. Celui-là, il sert que à ça. Et ben, je pense que ça pourrait aider voilà, à être un peu autonome dans les cuissons. Dès qu'on joue sur plusieurs outils en même temps, eh bien souvent, ils vont donner des résultats qui ne sont pas ceux qu'on attendait, quoi. Parce que c'est tellement subtil, ces histoires de pression, de dépression, de vitesse des gaz et d'oxydation, de réduction, que chaque fois, dans chaque cuisson, il va falloir arriver à trouver un équilibre entre ces différents paramètres pour arriver à monter en température et dans les conditions qu'on s'est fixées au départ, quoi. C'est pour ça que de définir sur le papier comme ça des certitudes sur les différents outils de ce four, ça serait mentir. On fera jamais l'économie de l'expérience. Mais ces deux-là, là. Donc là, tu es en four électrique. Là. Ouais, là, je suis en four électrique et là, c'est ce qui est sorti du four, quoi. Oui. En cuisson en bois, donc on voit beaucoup plus de paillettes là, un peu comme oui. La neige, on disait quand on l'a sorti. C'est-à-dire que là, on voit quand la réduction a apporté de la fluidité. On est toujours en général plus fluide en réduction qu'en oxydation. Ben là, ton émail, il est un peu trop réfractaire, mais trop réfractaire. Mais il est pas loin du. Le fer commence à monter un peu. Et trop réfractaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'est pas assez fondu, quoi. Pas assez fondu à 1300. Ouais. Ouais. D'accord. Donc tu ne vas pas cuire à 1400. Hein. Tu veux juste le rendre. Il faut changer la recette. Quand on utilise les émaux de cendre, on a tendance à se rapprocher de l'eutectique calcique. Hein. Quand on mélange à égalité de la chaux ou de la cendre, avec du kaolin 1 et avec de la silice 1. Le mélange de ces trois produits à égalité, c'est ce que les Chinois ont trouvé, c'est les premières couvertes des Chinois quand il y a de la cendre qui s'est déposée sur des argiles qui étaient des mélanges de kaolin et de silice. Mais ils sont arrivés à trouver une fusion qui tourne ici autour de, sur le plan moléculaire, le tectique de la chaux, c'est-à-dire le moment où la chaux peut fondre le plus bas, c'est avec 0,35 molécules d'alumine et 2,4 molécules de silice. Voilà, ici, ces trois éléments mélangés à égalité vont fondre en 170. Et il faut savoir que la chaux toute seule, elle fond au-dessus de 2000 degrés, que le kaolin tout seul, il fond au-dessus de... Ça dépend des kaolins, mais donc toujours au-dessus de 1500 de toute façon, et la silice au-dessus de 1700. Vous voyez, des températures très très hautes. Et si on mélange les trois à égalité, on va tomber là, comme ça. Quand on va du côté de l'alumine, LDO3, quand on va ici, on va trouver des zones de mat qui peuvent être très beaux. Et quand on va plutôt du côté de la silice, ici, on trouve des zones d'opalescent qui peuvent être très beaux. Cette zone du milieu, il faut essayer de l'éviter parce que elle est d'abord parce qu'elle fond, trop à 1300 degrés puisque ça fond en 170 et en général elle est transparente, transparente, coulante, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors on a intérêt à essayer d'aller de ce côté ou de celui-là. Mais très souvent, eh bien, on va dépasser et on va se retrouver dans des zones qui sont non cuites. Normalement, il y a... J'ai essayé, tu vois, j'ai calculé ça. Mais... Il y a quelques émaux qui sont, que je trouve très beaux là-dedans à utiliser tels quels. Hein. Ça va te permettre pratiquement d'alimenter, de remplir ton four et puis de continuer des essais, mais en resserrant, en ciblant un peu plus le...
les objectifs, quoi. Mm-hmm. Parce que là, on voit que c'est un démarrage un peu tout azimut, quoi. Mais oui. C'est bien parce que ça va te permettre de voir là où c'est pas la peine d'aller, quoi. Mm. C'est ça. Il y en a quelques-uns. Si on est là-dessus, la carcasse, elle va faire 100 plus 95 plus 30. Moi, je fais essentiellement de la vaisselle à boire. Je fais des tasses, des gobelets, des bols. Remplir un four de 600 litres avec des petites pièces comme ça, je vais faire 2 cuissons dans l'année. J'ai envie de cuire plus que ça. Et je pense que j'ai besoin d'apprendre aussi. C'est ça que j'avais vraiment beaucoup mis en avant. Un 600 litres, je vais le cuire pas assez souvent pour progresser dans la cuisson. Yes. Le dernier jour à Saint-Amand, Jean a pris 3 heures pour répondre à nos questions en demandant à chacun, bon, toi, c'est quoi tes besoins, de quelles adaptations t'aurais envie, et chacun a décrit un certain nombre de choses. Évidemment, le groupe a profité de toutes les adaptations, et moi je suis arrivée avec cette adaptation de 200 litres, enfin de réduire la taille du four. Et Jean, étant quelqu'un d'extraordinaire, il a en fait, voilà, il est parti des contraintes qui sont les caractéristiques techniques du four. C'est vraiment important de garder une température homogène dans le laboratoire et d'avoir une bonne circulation d'air. Il a dit, on descend pas en dessous de cette taille-là. Et ensuite, c'était très, très intéressant pour moi de voir comment il a élaboré le projet, parce qu'il est passé de la surface en centimètres carrés de la cheminée pour calculer tout, pour donner toutes les autres dimensions quasiment. Yes ! Messieurs, célébration ! Ah. Hey. Quand on a attaqué la construction de ce four-ci, pour le coup, Nicolas avait terminé les plans, on avait terminé le descriptif, on avait terminé la notice de montage. Donc on s'était posé plein de questions. Et ce four-ci, le montage, c'était aussi la validation de ces documents-là. Et on s'est dit que ça marchait quand même assez bien. On construit son four, en principe, c'est pas un jouet pour quelques semaines, c'est un four pour... 10 ans, pour 20 ans, pour une vie de céramiste. Donc, construire son four et le comprendre profondément dans son épaisseur, presque dans sa matérialité, ça permet ensuite de pouvoir aller le régler très finement, ça permet de pouvoir le réparer. Donc, en fait, c'est vrai qu'avec les pionniers, avec Jean, on a toujours imaginé que les céramistes qui allaient construire ce four, ils feraient corps avec leur four, enfin, que ça serait vraiment leur chose, leur outil. Et donc, tout ce qu'on a pu mettre en place, en fait, c'est pour permettre cette appropriation. Et que ce soit des pionniers ou des pionniers de deuxième génération qui se déplacent pour aller aider sur un chantier, c'est à nouveau pareil. L'idée, c'est d'aider à l'appropriation, en fait. Ça ne sera jamais de livrer un four clé en main. On participe tous à la même aventure. Alors, on n'en est pas forcément au même stade sur le chemin. Et puis, il y a plein de chemins parce que c'est buissonnant, c'est un nuage. Mais voilà, c'est pas un objet du commerce garanti 2 ans ou 10 ans ou je ne sais quoi. Ça sera jamais ça, hein, JRL3E. Le kit que vous avez reçu, et les descriptifs et tout ça, tous les plans détaillés ont été faits par l'équipe des pionniers là, à partir de documents que moi je me fournis, qui étaient un petit peu en vrac, qui étaient un foutoir monumental, et ils ont fait un travail remarquable. Il y a eu la canicule il y a 2 ans, et moi j'ai un petit four à bois dans le centre du village, et je cuisais pendant la canicule. Et il y a des clients qui sont passés, enfin des gens, des touristes, qui m'ont crié « Assassin !» Donc je les ai rattrapés derrière la haie en laurier, je leur ai dit « Expliquez la différence entre un incendie et un feu maîtrisé. La différence entre un feu qui détruit. » Il y avait les incendies en Australie, on voyait les petits koalas à la télé, donc...
Je leur ai expliqué que nous, c'était pas un feu qui détruit, c'est un feu qui crée. Et on a parlé et ils ont été à peu près convaincus. Mais l'année suivante, la dernière, s'inscrivent au stage cuisson bois à la Banque des Suisses qui viennent en nous disant on n'a plus le droit en Suisse de cuire au bois. Des Belges qui disent que ça devient de plus en plus compliqué d'installer un four à bois. Je me suis dit, oh là là, faut qu'on anticipe le fait qu'un jour on puisse nous dire il va y avoir un problème avec les cuissons bois, parce que c'est injuste de mon point de vue. Parce que nous-mêmes, on a une conscience écologique. Moi, j'ai une petite fille et j'ai envie, quand j'allume un four et que je fume parce que je veux de la réduction, parce que c'est le boulot que je veux faire, je me dis quand même, si on pouvait parfois faire autrement, quand on fait de l'émail par exemple, si on pouvait cuire au bois, avoir une patine sans polluer, pourquoi pas? Et si j'ai donné ce stage au CNIFOP l'an dernier et puis ici aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait des fours qui se construisent, mais en même temps pour qu'il y ait des, ce qu'on appelle des pionniers, mm-hmm. qui se forment à la construction et qui après puissent eux-mêmes diriger des constructions et diffuser le plus largement possible. Donc oui. Là, j'ai trois pionniers. Là, j'ai Adélaïde, Nicolas et puis Aude. Là, disons qu'à la fin de cette semaine, les trois sont à même de diriger une construction et de diriger une cuisson. D'accord, ouais. Pionnière constructrice, alors. Pionnière constructrice, c'est ça. Bien trouvé. Peut-être que ça peut être chouette de dire que l'accès à ces documents, il est gratuit sur inscription. Parce que du coup, il y a le four et tout ça, mais aussi il y a la dimension de partage, mm-hmm. voilà. hyper importante et essentielle. Non. Débrouille-toi. Est-ce que ça veut dire? Ah, ok. Tu vois. D'accord. Non, il faut lui passer dans le sens où elle doit d'accord. la mettre. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai le sentiment que c'est en essaimant des fours à gauche à droite que ensuite les gens sont capables de construire tout seuls par eux-mêmes. À partir des plans théoriques simples ou compliqués, mais je pense qu'ils sont un peu. Les constructeurs de fours sont dans une démarche où ils vont aller voir les fours de leurs yeux pour regarder de leurs yeux, donc du coup, le fait de l'avoir déjà vu, c'est plus facile de rebasculer ensuite sur le plan, quoi, sur le plan de four. Quoi. En tant que pionnier, on va aider à la construction, à transmettre, à comprendre les informations un peu essentielles. Les dimensions clés, et vraiment les choses qui sont pas négociables entre guillemets, donc qu'il faut vraiment respecter. Puis le reste, ça va se faire un peu de manière. Alors tu dois toujours systématiquement, quand tu fais maçonnerie, tu dois croiser tous les joints. Ouais. Par exemple, regarde, enfin. Là t'as une plaine, là t'as une plaine. Oui. Ça marche pas. Bien sûr. Donc quand tu te trouves confronté à ça, tu coupes au hasard. D'accord. Tu mets la première et hop, ça décale. On peut pas utiliser les chutes pour ça ? Si tu peux. Ou tu démarches sur une chute. Bonne idée. Ça c'est une très bonne idée. Et ça suffit comme... Ça va très bien. C'est très bien. Oui, c'est bon. J'ai goûté un peu aux cuissons au bois, à gauche, à droite. J'ai participé à des cuissons, j'ai mis parfois une pièce dans le grand four en agama ici. Et c'est vraiment différent. C'est vraiment autre chose. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les transformations des couleurs dans la réduction, par exemple. C'est surtout pour ça que j'ai envie de faire un four à bois. Et ben, pourquoi ce four-là? Parce que... Bon, l'anagama qui mange 15 stères de bois à chaque cuisson, je trouve ça quand même énorme. Et j'ai pas très envie de participer à une consommation comme ça de bois, c'est vraiment pas écolo. On a fait la demande pour avoir les plans avec un ami qui est céramiste aussi. Donc ça fait longtemps qu'on cherche à faire un four, on a regardé d'autres fours aussi. Et finalement, c'est celui-là qui nous inspire le plus, quoi. Ce qui m'a attiré dans ce four, c'est qu'on supprime l'inertie, de toutes les inerties qui consomment de l'énergie, qui accumulent la chaleur, c'est important d'avoir un peu d'inertie, mais c'est bien de l'avoir dans la masse des pièces, mais pas dans les briques. Ça sert à rien de chauffer le four. Ce qui est important, c'est de chauffer l'intérieur du four. Stop.
qui m'intéresse dans ce projet, c'est l'économie énergétique pour chauffer à peu près le. J'ai un four de 600 litres et celui qui se construit là fait dans les mêmes capacités. Et vu l'augmentation du gaz, de l'électricité et aussi ce four, ce qui est intéressant, c'est dans l'idée aussi de pouvoir le cuire tout seul ou à deux personnes, quoi. D'être un peu autonome et de permettre aussi des cuissons rapides, donc ce qui permet aussi de faire des essais, de renouveler, de cuire assez souvent, simplement et rapidement. À l'école, du coup, on a deux fours électriques. Un très vieux, mais très grand, mais qui fonctionne, qui a des températures complètement différentes entre le haut et le bas du four. Et un tout petit, tout neuf, qui fonctionne hyper bien. Donc moi, je suis habituée aux cuissons où tu appuies sur un bouton, tu te casses et tu reviens deux jours plus tard, tu peux l'ouvrir. Et du coup, quand je vois les grands fours, genre comme la Nagama, où tu mets une semaine à faire une cuisson et tu l'ouvres trois semaines plus tard, moi, c'est une temporalité extrêmement différente que j'ai du mal à appréhender encore pour l'instant. Mais du coup, c'est vrai que le four de Jean, il permet d'avoir une cuisson au bois, mais sur un temps extrêmement réduit. C'est la chaleur qui sort. C'est l'expérience aussi. Parce que là, le four, il est rempli de vapeur d'eau. La vapeur d'eau cherche à s'échapper. On va observer ça encore dans une demi-un moment où il va se mettre à aspirer. Ça voudra dire qu'il s'est débarrassé de sa vapeur d'eau. J'observe pour essayer de comprendre. Enfin, je trouve ça intéressant la façon dont il arrive à dialoguer avec le four quasiment et comprendre comment passe la flamme. Et là, ils sont en train d'essayer de régler les problèmes de cheminée et juste de voir qu'ils déplacent quelque chose de le registre de 5 cm. Et d'un coup, du Venturi, il y a eu de la fumée toute noire qui est sortie et on redécale le truc et c'est bon, c'est fini. Et voir ce genre de choses, je trouve ça très intéressant. Et en même temps, c'est de la sorcellerie pure, j'ai l'impression. Si c'est le four lui-même, que le four qui commande, ça veut dire que... Ça risque de pas aller du tout. Et si on est trop directif et que on n'écoute pas ce qui se passe, eh bien ça va pas non plus. Moi, vous avez vu, je suis presque entièrement sourd, mais le four, je l'entends. J'entends pas des bruits, mais j'entends ce qui se passe. Et ça, il faut essayer d'écouter ça. Enfin, moi, dans mon travail, en tout cas, je confie beaucoup de choses au hasard du feu. Et là, on est à l'antithèse de ça, donc ça va m'obliger à penser et à travailler différemment, différemment mes pièces, quoi. Ouais, j'ai senti que ça déplaçait quelque chose, et quelque chose qui pouvait me faire que progresser aussi, dans ma pratique et dans mon travail actuellement, quoi. À un moment où je suis peut-être un peu en train de répéter des choses qui fonctionnent, le feu fera le reste, enfin bon, il y a un côté comme ça... Donc il y a eu cette petite balade d'ajustement où il y a toujours le son quand même, c'est vrai qu'il y avait le son, donc je me suis basée sur le son, sur le rythme. Et c'est vrai que là le piano a pris aussi tout son sens parce qu'à un moment j'avais l'impression que c'était ça, c'était vraiment tout, il fallait avoir un rythme. Je me suis mis une sorte de truc un peu systématique là avec les notes du piano, de les repasser, un petit système pour noter là où j'en étais et pour en fait tout le temps distribuer le bois. Avec des moments de combustion. Bon, ça a marché, c'est remonté. Mais c'est vrai que je me suis dit, waouh, c'est pas du tout la même chose, quoi. Alors, c'est hyper intéressant aussi, et ça nécessite peut-être d'écouter plus finement. C'est une mélodie plus discrète. Bon, après, là, c'est évident, c'est la première cuisson, donc c'est peut-être un nouveau langage qu'il faut apprendre aussi, quoi. Donc là, on n'a plus de contact entre le foyer et la chambre, et il n'y a plus de braise qui risque d'aller sur les égouts. On laisse finir de brûler un petit peu ça, mais on peut déjà fermer le registre pour avoir un refroidissement lent. Je pense que dans un premier temps, il y a quand même un stade d'apprentissage des éléments de ce four et de leurs fonctions. Donc je pense que
là où les premières cuissons devraient toujours être faites en présence d'un pionnier ou d'un céramiste qui a déjà construit le four et qui a déjà cuit dedans, pour qu'il puisse donner à ceux qui vont suivre un peu un début de mode d'emploi, comment passer les vitesses, où est le frein, où est le pédale d'embrayage, parce que je pense qu'il faut apprendre, il faut passer son permis de conduire pour ce four. Je vais dire qu'on allait tenter une cuisson oxydante avec fin réductrice. C'est pas exactement le cas parce qu'on a eu des coups de réduction dans la montée parce qu'on avait du mal avec un four très trop serré et mouillé. On avait du mal à tenir une franche oxydation. Donc il y a des choses qui sont oxydées ou les couleurs des oxydes sont quand même oxydées, mais on a quand même on voit que la réduction qu'il y a eu par moment, les coups de flamme de réduction et puis la réduction qu'on a fait à la fin pendant les 50 derniers a eu tendance à réduire le fer, puisqu'on a des aspects de céladon comme ça. Mais je regardais, alors Maud et moi on a mis des pièces, on cuit beaucoup dans le four Olsen. Alors les terres sont plus riches dans le four Olsen, c'est sûr, mais j'ai l'impression que les émaux. Ah oui, d'accord. Ah oui, celui-là est bien. Parce que voilà, il y a quand même. Enfin, je les trouve vraiment plus beaux que ceux qu'elle sort d'habitude au four Olsen. Voilà, on a une belle matité, un beau coup de flammes et de coulées. Et puis on a un aspect sympathique quand même d'alcali. Quoi. Ah oui, il est vivant. Il est beau, hein. Ah ouais, bon, ça, vous ne l'aurez pas dans un four à gaz, ni dans un four électrique. Hein. Et là, j'ai vu qu'il y avait une telle passion et un tel désir de continuer à découvrir cet instrument et ses résultats que je ne suis pas inquiet du tout. Là, il y a une nouvelle génération de pionniers qui est née cette semaine. Là.